Triple attaque de type roche, je suis type sol, quoi. Ok, ça avance, ça passe. Pierre fait surf. Super efficace surf, oui, c'est vrai. Oh, je l'ai laissé à un PV. Quel enfer. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir, j'espère que vous allez tous agréablement bien. C'est peut-être la fin, je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il semblerait qu'on... La dernière fois on a fait Groudon, donc oui, Arène, Ligue Pokémon, c'est déjà la fin, je sais pas, ça va trop vite, mais j'espère que ça va bien se passer. En vrai, la dernière fois on a récupéré pas mal de Pokémon, donc il y a moyen que ça passe tranquille, on verra bien, les Pokémon sont super au level, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, normalement la Ligue devrait être du même level. Par contre l'arène on va la passer je pense en survolant, mais bon, ça va vite arriver, il va y avoir des morts quand même sur cette arène, je le pense. Je vais mettre le tank devant les amis pour cette arène et on va faire que des Empalcorn. Ah putain, mais c'est vrai que je peux m'en battre les fesses des dresseurs et je peux juste aller affronter le gars. En vrai, autant gagner du temps, je veux dire, on a la route victoire et la ligue. En vrai, les dresseurs, je vais juste perdre des Pokémon bêtement. Vas-y, tu sais quoi, je m'en fous, hein, je vais aller... Vas-y, hein. Hop, hop. Bon, bien sûr, je suis un maître des énigmes, hein, donc forcément, ça n'est pas un problème pour moi. Ah, peut-être comme ça? Ah merde, non, je me suis élancé, j'aurais pas dû. Attends. Tac. Ah non, je suis coincé, là. C'est perdu, non mais je me suis chié. Ah ouais, ça revient au même, là, j'ai perdu une case. Ah, fais chier. Ah, il y a beaucoup trop de dresseurs à affronter, c'est quoi ce bordel? Eh bah super, en fait finalement, faut tous que je les affronte. Non, il y en a peut-être une que je peux esquiver en bas. Regardez ça, voilà, elles ont des trucs de merde. Vas-y, tu sais quoi? On pas le corne. Ça n'affecte pas que... C'est le tank, hein, je m'en... Ou alors là, on est en... Ah oui, non, alors... Eh ben heureusement que c'est le tank, hein. Heureusement c'est le tank, hein. Ça commence bien. Franchement, j'ai vu les PV, je me suis dit, eh, en vrai, est-ce qu'il peut en crever? Ah, j'ai raté. Vas-y, en balcorne. Oui, voilà. Le tank. Moi, je dis, avec tous ces PV, forcément, ça passe au bout d'un moment. Hein. Vous allez voir, le tank et en balcorne, ça fait deux, hein. Ça fait un, non, c'est ça l'expression, pardon, oui. Regardez ça, le lanturne. Lanturne. En balcorne. En balcorne, le lanturne. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, nom de Dieu. Je veux finir la raid comme ça. C'est pas une blague. Mais comment j'avais fait? J'ai fait comme ça. Comme ça, comme ça. Tac, tac, tac. Faut pas se foirer là maintenant. Hop. Ok. Donc là, le côté droit, c'est fait. Ouais, c'est ça. Il suffit juste de faire des zigzags, j'ai l'impression. Hop. 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 Je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est bon là. Bon, ça va... Premier coup. Non, non, du premier coup, je veux rien savoir. Voilà. Hop. Parfait. First try. Easy. Easy. Donc, en palcorne. Arrête de parler, toi, viens de faire en palcorner. Vas-y, il a combien de Pokémon? J'ai que 5 en palcorne, faut que je les réussisse tous à la fin. Ok. On commence par un Anourite. En palcorne. Rayon signal. Ah ouais, ça fait mal, ça. C'est bon, ça passe. En palcorne. Ok, j'ai raté le premier en palcorne. C'est pas grave. N'est pas con. En palcorne. Vas-y, le tank. C'est trop bien. Vas-y, vas-y. Putain, le tank. Le tank veut pas. Le tank veut pas. Je sens le karma. Je sens que la chance m'a un peu abandonné. On va faire des surfs. Voilà, super efficace. On dégage le Anorite. Allez, le tank. Oh, le tank, c'est un drac au feu. Le tank, c'est un drac au feu. Le tank. C'est un drac au feu. Ok, Anorite. J'ai une théorie. Attendez le chat. Ok, Anorite. En palcorne, c'est pas passé. Mais c'est parce que j'aime bien Anorite. Mais là, c'est Dracaufeu. Donc, comme je l'aime pas, le jeu sait que je peux faire en palcorne. J'ai le droit. Vous avez rien vu. J'ai le droit d'interdire en palcorne. Allez, le jeu, c'est un Dracaufeu de merde. Oui. Oui. Chez. Merci. Merci. Au moins lui. Il a le calque piège. Il a quelques... Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Bon, les dégâts, c'est neutre. Dégâts plus que correct. Let's go. Tire debout. Ça n'aurait pas fait grand chose. Pff, oui. Effectivement, ça n'a pas fait grand chose. Bouffe ta force. Et dégage. J'ai quand même envie d'utiliser What the Fuck. Vas-y, j'ai quand même. Vas-y. C'est un Dégapi. Je sais que c'est une connerie, mais. Faut faire évoluer What the Fuck. Donc, autant le jouer. Tonnerre. Ah. Remarque, c'est. Oui. Oh, les dégâts sont corrects. Feu sacré.
Oh wait, attends, mais feu sacré, c'est pas genre l'attaque qui... Non. Non, c'est pas celle-là, c'est bon, ok. J'ai cru que c'était celle où j'avais un tour, du coup, où j'étais bloqué. Il a turbo. Bon, de toute façon, il était déjà plus rapide. Il balance son deuxième tonnerre. Faut juste pas qu'on rate le feu sacré, on sera bon. Super, pas de crit. Et le feu sacré qui passe. Let's go. Oui, what the fuck évolue dans un level, si vous posez la question. Enfin, tu sais quoi, je l'ai pas utilisé depuis le début, mais on va utiliser Master Pot. J'essaie de pas trop l'utiliser, vu sa puissance, et surtout pour pas le perdre. Mais bon, vas-y, pour seulement un Ortite, ça va, ça passe. Du coup, cascade pour le stab. Et voir les dégâts. Voilà, parfait. Que de faire. En plus, qui rate le Master Pot. On a tous comme ça chez nous un Master Pot. Et vraiment, voilà, c'est dans leur don, c'est les Master Pot. On peut toujours avoir confiance en eux. Ils font un taf monstrueux. Vraiment, ils sont incroyables. Pouce bleu pour les Master Pot, hein, bien sûr. Et Rhino Féroce. On en parle depuis tout à l'heure qu'il avait des Pokémon de merde, le dernier champion. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ah, pardon, non, c'est Rhino Féroce. Pardon, j'ai cru que c'était Rhino Corne. J'ai rien dit. Je vais sans doute crever. Donc autant faire un surf. Ah non, c'est super efficace. Ah, la balle brume. Fais voir. Pas très efficace. J'ai envie de faire une dinguerie, j'ai envie de faire ultra laser. Je veux dire, ultra laser, c'est la solution à tous mes problèmes. Et d'un côté, casque surf, c'est super efficace. Mais ça le tue pas. Ouais, non, je vais pas perdre un Pokémon maintenant. Il y a encore la ligue. Il y a encore la ligue. On va pas faire de conneries. En ultra laser, ça coûte quoi? Ça coûte juste la mort de Master Quack. C'est vrai que c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, c'est vrai. Allez, vas-y quand même. Pour le fun. Voilà, sachez qu'ultra laser est la solution à tous nos problèmes de toute manière. Ah, heureusement que c'est que balle brume. Hein. Heureusement qu'il va pas changer de. Heureusement, il va pas changer d'attaque entre temps et faire un crit. En vrai. Bien sûr. Hein. Oh. Il a raté balle brume. On est d'accord que genre niveau karma ça pue. Genre vraiment de fou. Mais le champion m'est éclaté. Allez, allez, enfin pas trop chou. Pas trop chou. De quoi on a depuis l'épisode 4 du coup. Allez, 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 allez. Allez, ça valait le coup, ça valait le coup. Ouais, on est d'accord, ça va en vrai, c'est... Il y a pire. Non, mais il y a pire. Il a Coloforce, ou il a Garde Mystique. Il est seul, et il a attention. Ouais, du coup, t'as pas les attaques qu'il faut. Du coup, t'as pas les bonnes attaques. Je sais pas quoi en penser. Pourquoi il faut monter le son dans la grotte? Ah, la route de la défaite, hein, c'est parti. Pokémon de zone, et potentiellement le dernier. Kyogre, sinon je rage quitte. Mais oui, vous avez raison, pour la route de défaite, le Kyogre. Presque Kyogre. Comme Pokémon, c'est génial, mais il est level 36. Ça va être compliqué de l'XP de l'utiliser. Oh, Bella. Oh la vache. Ténèbres et KSP. Ah oui, surtout qu'elle a sort de défense spéciale. Oh la vache. Ok, c'est de la merde, c'est de la merde, des attaques c'est de la merde, hein. Mais là, de toute façon, il a le multi-ex, donc tous les dresseurs qu'on va rencontrer, on va devoir les faire. Et merde. Oh, level 46. Je m'acharne un peu trop sur son palcord, j'aurais peut-être arrêté. Vous avez parfaitement raison, en vrai, hein. J'aurais peut-être arrêté. Ah, mais c'est super efficace sur ma gueule. Ah oui. Ok, attendez, je suis en train de faire de la merde, attendez. Attendez, je suis en train de faire de la merde parce que je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant haut level, les gens. Triple attaque de type proche, je suis type sol, quoi. Et ça, ça passe. Pierre fait surf. Super efficace surf. Oui, c'est vrai. Oh, je l'ai laissé à un PV. Quel enfer. Vas-y, dégage, bordel de merde. Ah, mais un PV, quoi. Mais j'en ai marre. J'ai mis premier dresseur. Le premier dresseur que je rencontre. Et je me fais poutrer. Mais on est où, là? J'en ai marre. Je suis salé. Est-ce que, du coup, en palcorne, ça peut fonctionner? Je sais que je m'acharne, mais j'aime bien cette attaque. Comprenez-moi, j'aime bien les attaques WashKO, je trouve ça trop drôle. Surtout contre des Pokémon qui se placent. Tu vois, ils sont là en mode, regarde, je me place. Mais en fait, non, parce que t'es mort en un coup. Et c'est trop bien. J'adore cette attaque. Ah! Bon, ça passe. Cascade. Ça fait pas grand-chose. Avec vrille. Faut faire gaffe, hein, on a le Master Pot, faut pas que le Master Pot y crève par contre, hein, ça c'est pas discutable, le Mewtwo, on fait gaffe. Yes, le Begvry qui fait super mal. C'est bon, passe. Ok, tout ça pour faire zéro dégâts, tout va bien. J'ai plus personne, ok, tout va bien. Ok, Begvry,
Ok, il n'y a plus rien qui va. Ok, je me chie dessus là. Yes, 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 yes. Et ben, on dit qu'on fait comme ça, oui. C'est la merde. C'est la merde de fou furieux, les gars. J'ai plus dans Falcon, je suis dégoûté. Est-ce que vous pensez qu'il va faire une autre attaque que Begvry à un moment? Parce que Begvry, ça fait mal. Ah bah oui, deuxième coup. Ah oui. Ok, je crois que le Mewtwo est déchaîné. Je crois que le Mewtwo n'est pas content, les amis. Bah que je l'ai tué, en fait, très tôt dans le jeu. Il aurait aimé être là. Je suis en train de perdre deux Pokémon. Là, je suis dans la merde. Là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que c'est ma meilleure solution? Du coup, corps perdu. Mais putain de merde, mais t'arrêtes! Non, mon Sam! Mon Régisson, mais pourquoi il enchaîne trois coups critiques? Mais qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, le chat! Je suis en train de me faire défoncer mon équipe pour la ligue contre un simple Mewtwo, Begvry, coup critique. J'en ai marre! Oh, il a raté coup critique, ça y est, enfin! Mais putain de merde! Mais putain, mais ce Mewtwo, les gars! Mais ce Mewtwo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, voilà, on était là. Super. Oui, parce que du coup, l'autre dresseur qui nous a cassé la gueule avec son Mewtwo Begvry, c'était juste pour une flûte blanche. Encore une fois, je perds des Pokémon que sur des dresseurs inutiles, quoi. Hop là. Hop. Ah, Deosum est là. Au moins, on a perdu Regisum, mais au moins Deosum semble être là. What the fuck qui a monté dans le level? What the fuck qui va peut-être évoluer du coup? C'est quoi, Lanturne, la force? Ma vie est une blague. Ma vie n'est que comédie. Non mais je vous mets au défi de trouver un Poketuber qui a le même niveau de karma ou niveau de somme que moi. Je suis sérieux quoi, je... Waouh. Mais je suis... Mais... Waouh. Mais genre vraiment quoi. Incroyable, je suis si fort. Bon c'est pas grave. On a perdu quoi? Un Deoxys? C'est pas grave. Parce que what the fuck, il va évoluer en Groudon. Donc c'est pas un problème. Allez on te regarde mon grand. Allez, moi je me casse, hein, c'était tout, encore une fois, hein, je... Voilà, je crois que tu te fais de ma gueule. Bon, mais what the fuck est dans l'équipe Karma Squad, hein. Psy Ténèbres, ah, c'est sympa, ça. Chlorophylle. Putain, il est tanky, par contre. Il a rentré au gros don, hein. Je vais crever, j'en ai marre. Est-ce que je suis à la fin, là? Oh. Non, le con, je suis allé trop loin, je pensais... J'avais oublié. Je me suis pas soigné, j'ai un Pokémon de mort. Merde, Timmy, non, c'était pas le moment. S'il te plaît. S'il te plaît. Et, ah. Ah. Non, mais c'est Timmy, c'est un chèque. C'est un bro, il m'a soigné. Voilà, il a un Gloopty, au pire, c'est pas grave. C'est bon, il m'a pas soigné. Mais quel bâtard, mais putain, c'est... C'est quel bâtard. Ok. Super efficace, parfait. Ouh, ça l'a bien défoncé. Mais c'est bon, je suis plus rapide. Super potion, ça suffira pas. Tu es mort. Parfait. J'ai tellement pas de Pokémon dans mon équipe. C'est incroyable comment c'est compliqué. Il me touche tout le temps. Et moi, quand je fais 3 fois Lilliput, tu peux plus me toucher normalement. Hein. Vas-y, force. Mais. À quoi ça sert de faire Lilliput si c'est pour qu'il me mette des coups critiques dans le cul là? J'en peux plus là. En plus, je fais 0 TK. Ok. Ultra laser, mais. Mais j'ai fait Lilliput, frérot! Je suis censé être intouchable! Ok, il rate, ça y est, il rate. Non, il touche. Force. Ok, c'est bon. Ok, il est mort. Let's go. Il y en a un deuxième, tu te fous de ma gueule. Allez, la force. Parfait. Voilà, les deux, ils dégagent. Ils m'ont saoulé. Ok, on est placé avec Sainte-Cane. À Lilliput, c'est une strat, j'ai le droit. Hein. Point météore, parfait. Parfait, il dégage. C'est pas un problème. Implore. Ouais, c'est super efficace. T'as un objet pété d'air? Oh, je l'ai défoncé, coup critique. Oh, c'est incroyable. Oh, la Sainte-Cane. Demande... Oh oui, regardez, il prend un objet. Il avait un grand miracle. Incroyable. Merci. Ok, vas-y, implore. T'as un objet... Eh bien, je suis paralysé, super force. Je suis paralysé. Le nombre de fois où j'étais paralysé par la Sainte-Cane, c'est... Waouh. Pardon. Est-ce que j'ai le droit de jouer? What the... On est à combien de tours de paralysie, là? C'est aberrant, là, non? C'est un peu aberrant, non? Super potion. Encore la paralysie, tout va bien. Force. Hop là, point météore qui touche. Attention les dégâts. Ah merci, hein, c'est assez... Mais putain, la paralysie. Ok. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'en peux plus. Genre vraiment, j'en peux plus de fou. C'est vaincu. Plus de peur que de mal. La ligue arrive, les amis. On a passé la route de la défaite. J'ai quand même réussi à perdre.
5 Pokémon, genre vraiment, c'est... J'en ai marre. Soignez-moi. Soignez-moi, il faut déjà que je dépose mon Pokémon. Allez, dernière évolution de ce Let's Play magique, les amis. Ah, qui évolue en... Allez, le Groudon, c'est maintenant. Le petit Groudon, le petit Pokémon Sol. Vas-y, tu sais quoi, je regarde même pas, t'as vu. Donc, vas-y, le Groudon. Allez, allez, le Groudon. C'est un Mareste, ça. Remarque, j'aime bien le fait que son nom, ça soit un cri et qu'il y a cette tronche. Oui, non, ça va bien. Ah ouais, dragon insecte. Eh bah, cool, en fait. D'accord. Bon, allez, les amis, on s'est bien préparé avec le chat. Vraiment, ça a pris super longtemps, mais voici notre équipe. What the fuck. Mimi Ogre, Feu au cul, Frustratio, Au secours, et Sprunker. C'est une équipe Karma Squad qui va tenter la ligue. Si franchement on réussit, c'est magnifique. Mais si on n'y arrive pas, bah c'est pas grave, on aura au moins essayé avec eux. On sortira bien évidemment les MVP qu'on connaît bien. Allez, c'est parti. Pour la Karma Squad, c'est offert, c'est gâteau. C'est gâteau, c'est... c'est gâteau, oui, j'ai peut-être faim. Peut-être, c'est ce qui fait que je dis ça. Premier membre du conseil 4. Est-ce qu'on va tomber direct sur une dinguerie? Je sais pas. Sincèrement, dans le chat et sur YouTube, vous pensez qu'elle va tenir jusqu'à quand, la Karma Squad? En vrai, au secours peut-être. Oh, la triple attaque, il a des grosses attaques comparé à moi. Hein. Ok, parfait, on est bon. Bon Burk. Parfait, ça kill. Au secours, il est là, hein, il est bien. Mais non! Mais non, mais pas lui! Ah non, il fait si peur, il est déjà level 51. Frustration. Oh putain, non, non, c'est Tipsy, je suis tellement mort. Oh, j'ai tenu. Je peux pas l'empoisonner. Putain. Allez, parfait, ça passe. Alors là, c'est quoi, Dafo fait zéro dégâts, mais je peux brûler en fait, c'est la brûlure qui m'intéresse. Let's go! Voilà, et là, What the fuck peut juste. Peut juste se soigner et tanker. Franchement, il y a un monde où en fait on fait que ça, on fait que de brûler les gens. Un problème, c'est que j'ai 5 PP. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé au PP. Je vais tenter le Empalcorn pour la blague. Ah, mais non, je peux pas faire des Empalcorn parce qu'ils vont être plus haut level que moi en fait, je capte. Ah, c'est con. Ah, je capte, mais oui, donc du coup, je vais pas pouvoir, ça sert à rien. Ah, non, je vais rater forcément. Ok, deuxième surf. Hop, parfait. Et il est KO. Let's go, grâce à la brûlure. Il va envoyer son propre Karatrok, PTDR. Ténèbres aussi, du coup, point feu, ça marche. Nope, mais je l'ai brûlé. Putain, mais let's go. Vas-y, danse folle, je vais faire des PP et des attaques. Ah, ça va lancer les ultra lasers, mais on est où là? Ça fait zéro dégâts. Parfait, le coup critique sur le surf pour le terminer. Frustratio, jusqu'ici, tout va bien. J'aurais peut-être dû me soigner en vrai. Hein. C'est bon, non, on est content, content, content. On termine le canin. Yes! On arrive à survivre, c'est incroyable. Allez, on va y arriver. Hein. Moi, je le dis vraiment, cette Karma Squad, elle va aller jusqu'au bout, ça serait trop bien. Mais il fait un taf monstrueux, le Frustratio, c'est incroyable. Au moment où je dis ça, le coup critique qui débarque. Heureusement, ça arrive que maintenant, alors qu'il peut mourir en un coup. Allez, s'il te plaît, termine-le. Oui, coup critique, bon moment, frustration, incroyable. Merci, il s'est pas placé comme ça. Vas-y, je claque ma potion. Hop, je claque pas mes PP. Et le premier effet, la Karma Squad en a au moins vaincu un. Putain, c'est beau. C'était le plus simple. Allez, maintenant on va galérer vraiment, je pense. On résiste le prochain. Le petit crit? Bien sûr que non. Larsin. Ah merde! Ah, oh, l'enculé, la switch d'attaque au dernier moment! Purée, je vous déteste quand ils font ça! Genre, je devais tanker la colère et ils switch d'attaque. De choc. Let's go! Au secours, il le fait. Ok, qu'est-ce qu'il... Pff, mais arrêtez avec ultra laser! C'est super efficace! Non, mais t'es sérieux, mais putain! Mais qu'est-ce qu'ils sont tous avec ultra laser? J'en ai marre! Oh là 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 là, mais comment il fait autant de dégâts? Mets-le un PV, mais fous-toi de ma gueule! Hop là, il est à plat. Allez, maintenant qu'il est à bout, il fait que des ultra lasers, c'est chiant. Maintenant, des flags, parfait. Ok, et on le termine. Let's go. Ta frustration, par contre, le nombre de kills qu'il aura fait, c'est incroyable. Hein. Là, des flags. T'aurais dû tenter la confusion. J'aurais dû tenter la confusion, je pense. Là, il va me bouffer juste toutes mes potions jusqu'à que ça passe. Et ça a fini pour passer. Non, frustration. Bon, bah, nique sa mère. Je pense que là, c'est mort avec frustration qui est mort. Mais il fait rancune. Il sait que je peux faire prélèvement du destin. Mais tue-moi. Tue-moi. Non, j'ai plus de prélèvement du destin. Enculé, il m'a pépé-stol. Il m'a pépé-stol. Je voulais mourir et il m'a pas laissé mourir. Ça fait mal, hein.
coup critique. Incroyable Sprunker. Incroyable à ce que tu viens de faire à l'instant. Ah putain, forcément il a guérison. Larsin. Let's go. Le ligature est mort. Hop là, tu veux bien crever? Merci. Let's go. Et deux. Niveau soins, c'est plus trop ça. Et niveau équipe, c'est plus trop ça. On commence un peu à être dans la merde. J'avoue, c'est un peu la... Ah, ça pue, là. Je sais pas si Olga, on la passe, hein. Enfin, Glacia, pardon. Et le problème, c'est qu'on a tellement plus de soins, je sais pas comment la deuxième équipe va faire, hein. Dracogriffe. Oh, les dégâts sont là, hein. Oh, le pied sauté. Ah, je sens qu'on atteint la limite, là, hein. Ah non, ça va me tuer. Là, il faudrait peut-être économiser les soins pour la prochaine équipe. Là, je pense que c'est un peu le rip, ouais. Là, je vois mal. What the fuck n'a pas d'option, il fait pas du tout de dégâts. Je pense que c'est foutu pour eux, les gars. Si l'autre équipe veut survivre, va falloir économiser. Je pense qu'ils vont s'arrêter là. Eh, ils en auront tué deux. C'est cool. Non, je vais économiser. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la Karma Squad. Dommage. Putain, il y a un PV pété d'ailleurs. Il va pas donner son dernier mot, hein. Allez, parfait. Dommage. Mais en vrai, ils seront allés loin. C'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, on peut les accueillir. On peut les féliciter dans le chat. Incroyable, hein. C'est parti, les amis, pour la deuxième tentative avec la vraie équipe. Avec Naturiste de type électrique insecte. Avec Crachin, ça peut être intéressant. On a aussi Sainte-Canne de type dragon, bien évidemment. Masterpot. Vraiment, Masterpot, il va falloir qu'il carry, hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ou on a Reiku. Et on a... Ah! Bien évidemment. Allez, si on rate là, par contre, c'est la merde. On va pas se le cacher. Allez, c'est parti. Premier combat. On a vu que c'était assez faisable. Donc on espère que ça va bien se passer. On est à plus 6 avec Master Pot. Cette arène, on la passe Enfin, ce champion, on le passe tranquille. Bien évidemment, il est laissé à un PV, le gars. Bon, il va faire... Ah, il a même pas de soin. Ok, jet de pierre, ça passe. Let's go. T'as comment je fais pour laisser à un PV comme ça, les Pokémon vanille? Je veux dire, je suis à plus 6, c'est un arco. T'as quand même... Petit laser glace, c'est combat laser glace, hein. Putain, mais c'est pas possible, quoi. J'ai pas de chance. Enfin, si, j'ai de la chance, visiblement, pour l'avoir laissé à 4 HP, mais j'en ai marre de tomber sur des gens qui ont que des bonnes attaques. Putain, mon plus 6 qui a servi à rien du tout, là. Putain, j'arrive pas à le tuer, hein. Force. Et la force. Oh! Mais putain, mais j'en ai marre! Arrête! Arrête de laisser un PV! Je perds trop de potions à faire ça, là. C'est chiant! Non mais putain! Pourquoi je le laisse un PV? Allez, crève, Arcanin de merde, là! Mais c'est trop chiant, je perds trop de potions à faire ça! La balle brume, c'est super efficace. Ouais, c'est ça, c'est super efficace, j'ai bien fait de lui mettre. Je laisse un PV, bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. On est dans le rouge, mais on le tue. Allez, Milobili se dégage. Il me reste combien, là? Il me reste le Monsieur Mime. Allez, il faut une attaque super efficace, quelque chose, là! J'ai l'impression d'avoir fait tous les types, sérieusement. Bon, reste quoi, hein. Tranchère, ces combats, on a fait tranchère. Vraiment, il craint rien. Ouh, le coup critique, un PV. T'as vu comment je m'en suis... Putain, mais je m'en étais super bien débarrassé du Monsieur Mime avec... Avec l'autre Karma Squad. Pourquoi je galère ma race? Je n'arrive pas à le passer. Putain, j'ai plus de potions, Max. Voilà. Fais pas d'autre attaque. Putain, enfin. Ah, mais la mort, en plus, il me reste encore lui, là. Il fait 0 attaque. Hop. C'est juste de faire balle brume sur lui et c'est bon. Et on a vaincu. Mais quelle merde! Mais comme il m'avait claqué toutes mes potions, j'ai plus de soins. Si Master Pot avait pu se placer tranquillement comme prévu, ça aurait été un autre. Ça aurait pas été la même. Donc là, j'en ai marre. Eliatron, tu me laisses me placer tranquillement. Putain, mais pourquoi vous faites autant mal? Allez, cascade. Allez, s'il te plaît, le jeu là. S'il te plaît, je me suis placé comme pas possible, comme c'est pas permis. Maintenant, je veux tous les défoncer avec Master Pot, là. D'où je me paralyse, bien sûr. Voilà. Le level 2, cascade. Putain, il est plus rapide. Allez. Putain, mais je laisse un PV. Je suis à plus 6 et je laisse un PV. Incroyable, hein. Les coups critiques. Je suis empoisonné, bien évidemment. Cascade. Voilà, défonce-le. Alligature, cascade. Allez, cascade, putain, dégage. Merci. C'est bon, là? Putain, non, il en reste encore un bras net. Et j'ai plus de PP. Heureusement, j'ai coup de boule. C'est super efficace. Bon, il dégage. Ah, j'ai speedrun. Je m'en bats les fesses, hein. Ça m'a énervé, ça m'a frustré. J'ai qu'une guérison, j'ai plus de soins. La revanche contre cette meuf. S'il te plaît, mets-moi un Pokémon qui est bien contre Master...
Nique ta mère. Ok, parfait. Narbok. Putain, elle m'envoie un Narbok. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Arbok à garde mystique. Je vous rappelle. On va tester un point météore. Tonnerre. Ah oh, la vache. Ça marque du trop. Je te fais un honneur, Marc. Je te fais un honneur, Marc. Salut, mon pote. Non. Non, comment ça, non. Non, non. Mais je suis sûr que c'était ça. Mais quoi? Mais je suis quasiment sûr que c'était le type sol qui était super efficace contre lui. C'est comme ça que ça va se finir. Sur un Arbok garde mystique. J'en peux plus. J'en peux plus de ce jeu qui veut pas que je gagne. On va le baisser dans la confusion, hein, je sais pas, je... Ça va tellement perdre. C'est mort. J'arrive pas à y croire que je meurs sur ça. En fait, c'est même plus qu'une défaite, là. C'est-à-dire que je sais même pas si on va pouvoir retenter. Parce que le Arbok garde mystique, en fait, je sais même pas s'il y a des Pokémon qui le passent. Je suis bloqué. C'est une humiliation. On reprend les amis, après cette petite ellipse, il y a eu un petit peu de temps qui est passé, j'ai entraîné les Pokémon, voilà, mon équipe devrait le faire. Je tiens à remercier la personne dans le chat qui avait dit, hey, tu sais, dans la maison aux énigmes et fesses là, près de la première ville, il y a des objets, peut-être tu peux trouver des pierres. Alors oui, j'ai trouvé une pierre feu, c'est con, c'est juste con que feu au cul est mort maintenant, mais bon. Au moins j'ai pu trouver un teçon bleu, et du coup avoir une pierre eau. Dernière évolution de ce live. La dernière évolution de ce let's play. Oui, j'ai choisi Morgoth, parce que au moins l'ombré peut le faire, mais par contre Morgoth lui il peut pas le faire, donc c'est Morgoth qui évolue, et qui évolue en low class d'ailleurs, Oui, bah trop bien, parfait. Eh bah tant mieux. Donc on finit sur un low class. Si on l'avait eu la pierre à temps, en quoi t'aurais évolué? Et là il y a oh oh. Vous imaginez, genre ça serait trop drôle. Non. Ah oh oh, un Papillusion. Ah oh, oui, y a moyen que... Oh, vu comme j'aime Papillusion, ça m'aurait beaucoup plu. Ça c'est certain. Alors du coup c'est très drôle qu'il s'appelle feu au cul et que ça soit un Papillusion maintenant, c'est assez drôle. Ah il est de type eau et il a torche, putain. Du coup voyons voir Morgoth. Qui est du coup électrique, poison et benet, pourquoi pas. Et du coup, vous me posez peut-être la question depuis tout à l'heure, mais oui, il y a eau purée. Le Jirachi. Alors vous vous demandez d'où il sort? Bah regardez juste en bas. J'ai dû, vous pensez bien, manipuler la RNG du jeu pour obtenir ça. Vous vous doutez bien. Mais c'est une zone quelque part, donc ça compte. Le talent me foudroie le cul avec mon double type, donc c'est génial. C'est génial. Bon, en tout cas, il est assez cool et il a un stab mégaphone, c'est assez sympa. Normalement, j'ai racheté de quoi... Ouais, total soin guérison. C'est parfait. Écoutez, les amis, ne perdons pas plus de temps. Allons juste crever, hein. Du coup, point de feu. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas très efficace. Ça part sur un one-shot. Alors, le Musumi, par contre, je sais pas comment on le gère, donc on va mettre le stab tout de suite. Cet enfoiré là. Ouh, mais ça craint le sol. Et du coup, ça one shot. Oh, pas trop chou. Merci. J'ai refait l'arcin, mais du coup, ça va pas le tuer parce qu'il a plus d'objets. Ça comme ça. Hein. Ah non, c'est sabotage qui marche comme ça. Bon, parfait. Parfait, parfait, ça l'a tué. Dis-moi qu'il est vol. Non, c'est pas très efficace. Ok, on le défonce. Alors, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie de pas passer de temps sur Damien. Ne tombez pas dans le piège que vous pensez que c'est trop simple. Vous savez que ça... Vous savez qu'il reste Glacia. Vous savez que Glacia, on a galéré contre elle. Vas-y, Bart. Ouh, super efficace en plus. Oh, du coup, t'es mort, hein. Forcément, avec le fait que t'avais un objet. On est greedy, le chat. On est greedy, on met c'est pas le sud parce qu'on a un Tarinor et le Tarinor, il va défoncer. Regardez ça. Le Milobilus. Ah non, il le défonce pas. Vas-y, bouffe ma cascade à plus 3 là maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire? Là, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Oui. Oui, peut-être parce qu'il a défense... Oui, peut-être qu'il a son talon qui augmente sa défense spéciale. Et peut-être qu'il baisse ma défense spéciale de fou avec... Bah oui, oui, c'est vrai qu'il a du répondant. Je reconnais, mais je m'en fous, il est mort. Oui, bah je réfléchis, ça va, je...
Oui. Voilà, j'essaie de me concentrer. Bon, au moins, on en aurait fait un. Jusqu'ici, tout va bien. Laisse tomber, Jaco, réfléchir, c'est pas ton truc. Mais oui, je sais, moi, je réfléchis pas, j'agis. On va placer un... On va stabber le... On va voir le stab, est-ce que c'est super efficace? Super efficace, parfait. Alors, avec le sable doux, là... Let's go! Ça dégage. Est-ce que le stab est super efficace sur lui? Oh là là, mais pas trop chou. Oh là là, mais pas trop chou. Mais Graiena, les gars. Mais Graiena. Attention. Mais PDDR, son point faible, c'est le sol. À la queue, elle craquule, ça fait trop mal. Let's go. La queue des Pokémon faible, le sol. Mais pourquoi je te mets pas dans la présente équipe, pas trop chou? Ça m'aurait beaucoup aidé, tu sais, hein. Voyons voir. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce que t'avais pas les restes, toi? Je me souviens, tu faisais chier, là. Ou alors, c'était pas lui, c'était un... Oh, bah, super efficace. Bon, ça a pas très fait mal. Okay, il a un objet, c'est quoi? Les restes! Let's go, on a des restes, les gars. À qui on les met? En vrai, je devrais peut-être laisser les restes sur Morgoth, hein. C'est sûr que j'ai plus l'arcin, du coup, mais... Oh, en vrai, Morgoth reste, c'est trop bien, hein. Elle avait que des Pokémon qui craignaient, là, le type sol. Oh, pas trop chou. Pas trop chou qui leur met 1000-0. Allez, let's go. Incroyable. Et de 2. On est bon. Qui parie pour un prélèvement du destin ou expulse organe avant la fin? Bande de monstres. Laissez-moi profiter, là. Laissez-moi profiter de ma victoire, là. Allez, allez. Bon, elle commence par Oniglali. Ok, Oniglali. Est-ce que tu crains le type sol? J'y ai tellement cru. Par contre, j'ai... Oh, le Shell! Let's go. C'est ciao. Merci, au revoir. C'est le moment de... Disco mort. Oui, le Lombré. Le Lombré qui est là depuis le début dans le PC. Feu sacré. Alors déjà, il y a le tonnerre à survivre. Dis-moi que c'est super... Non, c'est neutre. Ok, tout va bien. Tout va bien. On tank bien. Le feu sacré qui passe. Au revoir, garde mystique. Tu décèdes. Critique Disco mort. Let's go. Disco. Let's go. Chez garde mystique, mon cul. J'aurais peut-être dû partir. C'est bon, on tank. Le tonnerre. Le tonnerre, le tonnerre. Ok. Super efficace. Let's go. Vas-y, crochet venin et là, tu l'empoisonnes. Tu l'empoisonnes. Let's go. Comme ça, il est condamné. Ok. Ouais, bon, on va... S'il avait crit. On va lui balancer un gros cascade dans la gueule. Let's go. C'est super efficace le type sol ou pas sur le type roche? Je sais plus. Oui. Pas trop chou. Incroyable. J'adore. Je crois que je suis en train de kiffer Graiena, les gars. Vas-y, point de feu. Oh là, pas trop chou. Pas trop chou. Incroyable. Eh ben, Glacia, c'est fait. Pour l'instant, cette team va plus loin que les précédentes. Et pourtant, il y a un mélange un peu de tout. Un peu de Karma Squad, un peu de vraie team. Incroyable, hein. Son Arbok n'a rien pu faire. Est-ce que le dernier, on le passe ou pas? Est-ce que ton ennemi est de type sol? Enfin, craint le sol. Ouais. Non, pas un deuxième garde mystique, le jeu. Tu peux pas me faire ça. Tonnerre. Ouh, il craint l'électrique. Il craint l'électrique, les amis. Let's go. Et ça l'a tué. Disco mort. Disco mort, tueur de garde mystique. Hein. Vas-y, petit point glace. On a bientôt plus de points glace, mais ça devrait aller. Hop là. Le super efficace, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Un tignon. Ah, alors ça, par contre, c'est ça, je sais pas. On va faire un sabotage déjà pour l'enlever son objet parce que c'est sûr et certain qu'il en a un. Une baie abricot. Très bien. La cascade. Ouh, super efficace le type ténèbre. Au revoir. Parfait. Je vais mettre Tarinor. Attendez, ça se passe beaucoup trop bien. Donc, on va mettre Tarinor. Vas-y. Karma Squad représente. Qui est super efficace. On a de la chance. Et ça kill Tarinor. Incroyable. Je finis ce dresseur avec Tarinor, je veux rien savoir. Ah! Moi je dis ça peut passer. Allez, cette fois-ci, tu arrives à le brûler. Putain, mais toujours pas, c'est pas le sud, hein. Ouais, maintenant il balance des guérisons. Là, tu veux bien le brûler? Fais quelque chose, là. Oui! Il est gelé! Enfin! Let's go! C'est pas le sud! C'est pas le sud qui... Et la guérison, ah bah super. Tu veux pas le rebrûler, du coup? J'ai plus de PP, merde. On va le finir avec, c'est pas grave. On va le finir avec Belle Brume. Voilà, il est paralysé, on s'en fout. Belle Brume, termine le Tarina. Il a soulevé un PV, bien joué, Belle Brume. Oui, voilà. Merci, heureusement, il a été paralysé. Let's go. Il y a un Girafarig. Girafarig, tu le fais tous les jours.
Je m'en fous si je les use. Je devrais pas l'utiliser sur lui. Mais je le fais. Parce que je crois en lui. Donc Tarinor triple attaque. Regardez, je suis sûr que ça porte chance. Je suis sûr que ça va être super efficace. Ah. J'ai eu confiance en lui. Et il me l'a rendu. Ok, c'est bon, il a survécu. La rafale feu de sortie nulle part. Hein. Oh, let's go. Ouf. Ouh. C'est bon. On a vaincu le conseil 4. À nous le mettre. La salle est magnifique, je trouve qu'elle est incroyable. Allez, dernier combat, les amis, de ce Ruby en full random. Gros karma à la ligue sur la fin, mais bon, j'ai pété un câble et j'ai entraîné très bien mes Pokémon. Et vous savez qu'il y a une stat qui est remontée, ça fait 7 mois que visiblement j'ai pas gagné un let's play. Donc, pourquoi tu me sors à Mew, frérot? Moi, je dis tu crains pas trop chou. Oh. À chaque fois, j'ai espoir. Mais ça va, il a l'air de faire de bons dégâts. Il a... Si t'as que tour rapide, franchement, ça sera incroyable. Hein. Ok. Repoint glace. Il y a peut-être moyen qu'on le mette dans le rouge, il va peut-être claquer ses guérisons à la con. Vas-y, point de feu. Parfait, il a... Ok, une de guérison de claquer, let's go. Pas trop chaud a l'air de le faire. Hein. Oh là, mais pas trop chaud par contre, incroyable sur cette ligue. Oh, il retire. Est-ce qu'il a un contre? Oh, il a son un aval tout. Ah zut. Non! Non, pas trop chaud, non! Le karma sur la fin, pas toi, pas mon chien! Non, pas trop chaud! Karma Squad en force. C'est parti pour Disco Mort. Je suis dégoûté, premier de crash. Il a un rencarnage. Berceuse. Ça avait pas beaucoup de dégâts. Coup critique. Ah ouais, sérieux. Berceuse qui passe. Let's go. Stabé. Les dégâts sont pas trop ça. Peut-être tonnerre à la limite. Let's go. Ok, ça passe. Tonnerre. Let's go. Coup critique. Oh mais Disco Mort. Karma Squad, c'est quoi Disco? Voilà, Disco Mort, il a joué. Maintenant, c'est pas le sud. Vas-y, bluff, cette fois-ci, j'oublie pas. Le petit bluff, gratuit. Voilà, ça, il joue pas. Ah. Non, mais c'est pas le sud, il va clutch. Voilà, il a tenu deux fois seulement, let's go. Allez, la petite triple attaque, super efficace. De toute façon, Mazdo, ça touche que deux fois. Non, c'est neutre, ça fait rien. Bon, du coup, je remets Disco Mort. Je la joue Karma Squad, là. Je m'en bats les fesses. Je m'en bats les fesses. J'ai eu une explosion. Le jeu, il s'est trop cru. Moi, je dis, la Karma Squad, elle finit tranquille. Pierre, c'est de la merde. Hop là, parfait. Voilà, il rate une deuxième fois la chatte. Let's go. Ah, ok, tonnerre. C'est neutre. Oh, les dégâts, mais Disco Mort. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a laissé dans le PC, Disco Mort? Je vous le demande. Il est incroyable, Disco Mort. Allez, tu le finis, tonnerre. Allez, il faut juste pas qu'il fasse deux crits et qu'il touche 5 fois, ça serait bien. Pour jusqu'à là maintenant, il a jamais fait 5 fois, donc c'est cool. Ok, touché 3 fois, let's go, j'ai eu très peur en parlant. Allez, le tonnerre. Fais voir. Ah oui, d'accord, il avait une seule attaque. Ah d'accord. Ok, bah il est mort comme ça. Ah oui, c'est le Mew qui revient. Bah c'est quoi le Mew, je me soigne même pas, je suis fair play, je fais triple attaque direct. Le tonnerre, je regrette. Remarque, non, je suis proche, c'est électrique. Ça va, ça passe. Heureusement, ça passe. Allez, le triple attaque. Neutre. Ouais, de toute façon, il se soigne. Parfait. Allez, vas-y, tenez. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. C'est le karma inversé ce soir. Ah, je me suis pris quand même une explosion pour votre plaisir. Hein. Il n'y aura pas eu zéro mort. Hein. Je m'en fous, je le dis. Je m'en fous, je le dis. Je crains plus rien, là. Là, je le défonce, le Mew, tous les jours. Juste au moment où je dis ça, je me fais karma super. Je vais y arriver, hein. Je vous promets, je vais y arriver. Je peux pas le brûler, s'il vous plaît, là. La brûlure, là. Tu peux le faire, c'est pas le sud. Tu peux tuer Mew. Tu peux te finir Pierre à toi tout seul. Tu peux être le meilleur Pokémon de cette génération, oui. Vas-y, triple attaque. Triple attaque, mon grand. Parfaitier presque. Regarde, il a plus de soins. Finis-le. Coup critique. T'as échappé au... Oui, finis-le. Finis-le. Je t'en supplie. Merci. Let's go. Oh, un couteau vol. Ah, c'est pas son dernier, dommage. Ça aurait été drôle que ce soit son dernier. Il y a un couteau vol, les gars. Il y a un pamplemousse qui vient nous dire bonjour. Oh, c'est super efficace. Je le one-shot pas. Je le finis avec C'est pas le sud. C'est pas le sud to the win. Ok, pas de crit, let's go. Par contre, on est moins 3 en défense, mais c'est pas grave. C'est pas grave, faites pas gaffe. Faites pas gaffe, C'est pas le sud, finis-le. C'est bon, en avant. Let's go. Plus qu'un Pokémon avant la fin de ce let's play. Et on va peut-être finalement pouvoir le... Ah. Oh, j'ai tanké. Voilà, on veut voir les dégâts que peut faire C'est pas le sud.
On veut voir s'il a une chance de finir à lui tout seul, sinon peut-être on switch. Mais je veux finir avec un Tarinor, c'est génial. Oh purée, let's go, c'est super efficace. Tarinor, one shot. Oh non, il a pas one shot, dommage. Pareil, il faut juste qu'on... Fais surchauffe. Non, il avait encore une guérison. Ok, c'est pas grave, ça me laisse une attaque. Le tranchère, tant que c'est pas un crit, c'est bon. Let's go. Le triple attaque. Le triple attaque. Est-ce que je peux crit? Est-ce que c'est pas le sud, tu peux crit? Putain, il a pas crit. Faut juste... Oui, il a moins 3 en défense, mais il va survivre. Il survit. Let's go. Finis-le. Est-ce qu'il le finit? Tarinor. Tarinor qui conclut le rubis full random, les amis. Incroyable, let's go. C'est fait. Le Tarinor a moins 3 en défense. La Karma Squad représente. Je voudrais pas échapper quand même à une petite dernière explosion, tu vois. Par contre, pas trop chaud, incroyable. Et par contre, MDR, j'ai absolument pas du tout utilisé mon Pokémon de l'île Mirage. Ça servait à rien que je me fasse chier. Vous savez que je me suis vraiment fait chier pour la faire spawn, l'île Mirage. Mais genre, vraiment, on... voilà, pas trop chou. MVP sur cette fin, incroyable. Disco mort, c'est pas le sud. On aura terminé avec un Tarinor, c'est génial. Ouh, Bella, le Morgoth. Heureusement qu'il évolue en low class, sinon ça aurait été drôle. Et au purée, oui, non, mais ça t'aura servi à rien. C'est fini. C'est fini, les amis. Maître de la Ligue, félicitations. Merci d'avoir suivi ce full random. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude. On verra bien sur la chaîne YouTube ce qui vous attend. Pas mal de choses qui devraient changer, donc on verra bien. Des bisous tout le monde. Et restez les mêmes. Hein. Je vous aime. Vous êtes trop bien. Bisous. Au revoir. Allez, le Rayquaza, pour la blague, pour le bonus Gagus, le Rayquaza, c'est quel Pokémon? Le pire, c'est que c'est un Pokémon qu'on avait déjà eu, je crois, un Masco.